Oui, euh, bonsoir. Bonsoir. Euh... Oui, je suis Lopelso. Bonsoir. Comment ça va, mon frère? Voilà, on va juste attendre un peu. Et... Ok, merci beaucoup. <laughs> je suis fier de vous aussi. Je vais partager sur la page La Puissance. Voilà. Merci, ça ne fait que monter et je vous attends. Et comme ça, on va commencer le live. Un instant, je vais partager sur la partie qui la puissance. Ok, ça y est. Ok, je suis peur là, je vois. Tu dis, mais s'il te plaît, il faut essayer de cadrer le petit païf comme ça. OK. Il n'y a pas de souci. Tout va rentrer en ordre. Tout va rentrer en ordre. Nous allons juste attendre un peu pour commencer. Comme j'ai si bien dit que c'est ma nouvelle page. Comme vous le voyez. Tidiane La Force. On n'a que encore quelques disons 2000 et quelques abonnés. La partie de la puissance, nous avons pris de 200 000, mais on doit faire en sorte que cette page-là puisse avoir un bon niveau pour avoir des pages, parce que la première actuellement est sur restriction. Voilà, la partie de la puissance. Donc, partagez au maximum possible, vous qui venez de rentrer, avant de commencer. Oui. Kadiela, comment ça va? Tu vas bien? Yeah. Hmm. Madou, oui, je vais bien. Et toi, Ibrahima? Et, Et salut à tous ceux qui commencent les commentaires. Mettez les likes, partagez au maximum possible. Euh, surtout, abonnez-vous sur cette nouvelle partie, bien, la force. C'est extrêmement important parce que là, là, voilà, c'est le véritable combat qui doit commencer. Comme vous voyez, vous venez de voir le titre. Nous allons essayer de parler de deux à trois sujets aujourd'hui. Mais en attendant, vous qui rentrez, je vous prie de partager au maximum possible, s'il vous plaît. Voilà. Après, on va, on va décliner euh, les différents ciseaux. Merci, euh, Kotomo Dali ou Badra depuis la Belgique pour les coeurs. Nous allons commencer tout de suite. Prière de partager au maximum possible. Nous avons pour le moment 100 et quelques qui sont là. Voilà. C'est déjà partagé sur la page qui euh, a la puissance. Voilà, chers compatriotes, comme je viens de décliner l'ordre du jour, ou euh, les sujets du jours, je vais dire, vous savez, j'ai fait une précision hier, comme quoi je là pour rétablir la vérité par rapport aux dernières sorties de mon cher ami Madix Sans Frontières, par rapport à l'IFDZ. Nous allons en parler. Et au-delà, euh, nous allons également parler de cette affaire des passeports. Ce serait le deuxième sujet. Parce que là, là, beaucoup de nos compatriotes souffrent à l'étranger ici par rapport à cette affaire des passeports. Donc, il y a des initiatives. Je remercie d'ailleurs du passage euh, mon frère euh, Robert Théa, le blogueur. Et le samouraï qui a vraiment initié une chose pour attirer l'attention des autorités, et nous sommes tous lancés dans ça. Et voilà, aujourd'hui, il y a un premier résultat, parce qu'il y a quelques passeports déjà qui commencent à. C'est-à-dire euh, qu'ils qui, qui, ont commencé à acheminer quelques passeports dans quelques ambassades. Nous allons en parler ici tout de suite. Mais bien avant, nous aurons quelques infos du jour. Donc, je vous prie. Partager au maximum possible la vidéo pour pouvoir tousser bon nombre de personnes. Je n'ai pas fait sur la page de la puissance. Je eh, bien que j'ai plus d'abonnés là-bas et que ça pouvait d'un seul coup eh, exploser avec un grand nombre de vues, mais il faut apprendre aussi l'enfant à grandir petit à petit. Donc cette nouvelle page, nous devons faire sa promotion pour qu'elle monte aussi plus vite que possible. Voilà, Fatoumata Binta, merci, merci beaucoup. Ok, nous allons juste euh, attendre. Voilà, nous avons 200 personnes pour l'instant. Je pense qu'on va pas attendre, on va continuer, on va commencer le débat. Et comme la vidéo sera là enregistrée, ceux qui ne pourront pas nous regarder en direct pourront regarder en différé. La première des choses d'abord, je présente mes condoléances les plus attristées à la famille d'Emma Souma. La fille qui a été violée par des soi-disant médecins. On ne se limite pas à ça, on enchaîne la fille, ils cherchent a enlevé le ventre et voilà ce qui, ce qui s'en est suivi. Cinq opérations en seulement deux mois. Les autorités de la Guinée se sont impliquées et malheureusement, malgré tout, la fille a perdu sa vie, elle est décédée et son corps sera rapatrié aujourd'hui en Guinée à 20h, je crois, sous peu de temps. Que son âme repose en paix amadou gando merci mon frère alors c'est pour vous dire que nous avons des criminels en guinée c'est vraiment triste Donc, toutes mes connaissances à sa famille et justice doit être justice doit être faite pour rétablir cette fille ces gens doivent payer le prix c'est des criminels c'est des satans c'est pour dire à toutes les femmes faites beaucoup attention les cliniques dans lesquelles vous partez, vous devez faire beaucoup attention. Rassurez-vous que c'est des bonnes personnes qui sont là. Je l'ai toujours dit. Je ne vais plus revenir sur ça. Nous avons tous l'œil sur la justice guinéenne. C'est qu'elle va décider par rapport à cette situation. Parce qu'on doit mettre fin à cela. Nos soeurs, les femmes souffrent énormément. Parce qu'il y a des hommes malhonnêtes, malades, mentaux, qui les font subir toujours. Ça, on parle de l'hôpital. Même dans des foyers, nous voyons des hommes violer, violenter leurs femmes. Nous allons prendre un sujet par rapport à ça un jour. La deuxième information du jour, avant d'attaquer les deux points qui nous ont amenés ici, je vais dire aux us qui détient le dossier du colonel Mamadou Al-Fabari par rapport à cette affaire. Euh, euh, d'argent dont on dit il a soutiré à son oncle. Je vais dire à ces de faire beaucoup attention. Ils ont fait tout récemment ce qu'on appelle le mea culpa devant Colonel Mamadi Doumbouya. Ils ont dit que l'ancien régime qui était là les empêchait, on les imposait les ordres. C'est ce qu'ils ce qu avaient dit devant le peuple de Guinée à la télévision. Mais c'est le même qui disait autant d'Alpha Condé que non, non, on n'a aucune pression. Toutes les décisions que nous prenons, nous les prenons avec honnêteté. Parce que nous avons juré de respecter les principes de la justice guinéenne. Malheureusement, après Alpha, Dunguya est là. Ils nous disent qu'il y avait des pressions derrière eux. Mais je vais attirer l'attention de ce vice. Je ne vais même pas lui nommer ici. Il se reconnaît bien. Je vais lui dire que... Colonel Bala Samura n'est pas la justice guinéenne. Même Mamadi Doumbouya n'est pas la justice guinéenne. Si ils sont incapables de prendre les décisions en âme et conscience, qui j'arrête de jouer avec le peuple de Guinée. Tout ce qu'on a dénoncé, on a condamné au temps d'Alpha Condé, ne pensez pas qu'au temps de Mamadi Doumbouya, nous allons croiser les bras et observer. Nous n'allons pas le faire. Parce que nous aimons Dumbuya, nous voulons qu'il réussisse. Et pour qu'il réussisse, ce n'est pas dans la démagogie, ce n'est pas en répétant les mêmes erreurs comme lui, il a aimé toujours dire. Un Colonel Bala Samura, aujourd'hui, vous êtes un homme fort, super puissant même. Mais je crois que le régime d'Alpha Condé doit être une leçon pour toute personne, pour tout Guinéen. Savoir que quand vous êtes aux affaires, c'est un temps, pas tous les temps. C'est un temps, vous le savez bien. Se Touré a tout fait, il n'a pas pu. Il est parti. Et tous ceux qui l'ont aidé dans la négativité ont payé cher après. L'ancien L'ensemble compte est la même chose. Tous ceux qui l'ont aidé dans la négativité ont payé. Aujourd'hui, Alpha Condé, c'est la même chose. Tous ceux qui l'ont aidé dans la malhonnêteté, dans la négativité, ils sont tous partis. Ils sont dans l'humiliation. Aujourd'hui, ils ne peuvent même pas sortir, aller acheter un pain dehors. Parce qu'ils se sont, dé... sont laissés emporter par la folie du pouvoir. Et aujourd'hui, ils sont tous dans la boue. Leur champion, le colis, est dans les mains du colonel Dumbuya, au cas de Bellevue, à quelqu'un. Maître seulement de chez la soldat l'homme qui prenait pour ennemi de la République. C'est pour dire à colonel Bala Samura. Que moi, Tidian, la puissance, Tidian, la force, je l'aime. Je l'aime beaucoup. Si je dis que je l'aime, c'est parce que je veux qu'il fasse les choses comme cela se devait. Pour laver son honneur dans toutes choses. Colonel Mamad Alpha c'est un camarade de promotion à vous. Autant d'Alpha ils vous ont opposé, ils ont créé une haine profonde entre vous. Tout le monde est témoin de cela. Aujourd'hui, vous êtes l'homme fort. Je peux dire le deuxième homme fort ou troisième de la République de Guinée. Mais hier, vous n'en étiez pas. Aujourd'hui, vous êtes bien positionné. Je vous prie, ayez le dos large. Et pensez au cas de colonel Mamadou Al-Fabari. Tout s'il y a eu des différents entre vous, mettez ça dans la poubelle de l'histoire. Vous avez dit qu'on va tourner. La part sombre de ce pays, faites-le avec votre ami avec qui vous avez passé assez de choses ensemble, qui pouvaient être aujourd'hui utiles au sein de la nationale. Colonel Bala Samura. C'est à vous ce message. Et je répète encore que le juge qui a ce dossier, ni colonel Mamadi Doumbouya, ni Bala Samura, colonel Bala Samoura, personne d'entre ces gens-là ne représente la justice. Ce sont ces erreurs-là. Qui ont enfoncé Alpha Condé et tout son clan satanique dans le trou. Il faudrait que ces nouvelles autorités-là aussi évitent les mêmes erreurs. Je ne vais pas rentrer en profondeur. Je viendrai spécialement pour ce sujet. Je vais aller au-delà avant de parler du cas de Madik tout de suite. Colonel Mamadi Doumbouya, vous avez fait un coup. Moi, je ne dis pas coup d'état, mais un coup de paix. Le peuple de Guinée a apprécié. Le peuple de Guinée a aimé. Tout le monde vous a soutenu. Tout le monde vous a dit bien. Même ceux qui faisaient semblant d'être Alpha avec Alpha Condé, ce que des lasses, des opportunistes, des moribonds, des apatrides. Parce qu'après la chute d'Alpha, ils se sont mieux où Nulle part. Et on le disait toujours. Alpha, ceux qui sont avec toi aujourd'hui ne t'aiment pas. Tu dois faire beaucoup attention. Alors... Il y a aujourd'hui, eh, comment on appelle ça, eh, Marcel Gilavogui qui est en prison, qui est le neveu de Dadis. Nous avons AOB, commandant AOB, ils sont tous en prison. Et on sait que AOB a été arrêté sous prétexte qu'ils qu avaient eh, tenté à la vie d'Alpha que c'est un coup d'État raté à son domicile à Kipé. Tout le monde se rappelle de cela. Donc, si cela était vrai, je crois que tout ce qu'on est en train de traverser aux on n'allait pas traverser, parce que c'était en 2011, si j'ai bonne mémoire, ça allait prouver qu'Alpha n'était pas aux affaires. Ça pouvait, ça pouvait nous éviter même cette nouvelle transition. Et après 10 ans, 11 ans, vous, colonel, Bala, vous, colonel Mamadi Doumbé, vous avez fait le même coup d'État. Mais sous une autre forme, pour dégager le Satan et tout son clan satanique. Parce que ces gens-là avaient fatigué le Guinéen. Si aujourd'hui, après dix ans, vos, vos amis d'armes sont encore en prison, vous avez libéré les hommes politiques, vous maintenez vos amis d'armes en prison, je trouve que ce n'est pas normal. Colonel Mamadi Dumbuya, pensez à Colonel Aobé. Pensez. À Marcel Gilavogui. Quelqu'un qui a fait 10 ans, il est en prison, on ne l'y a jamais usé. Il est là-bas. Pensez à tous ces ans, s'il vous plaît. Nous devons sauver la République. C'est extrêmement important. Vous pouvez les libérer. Parce que eux, c'était un coup d'État. Par exemple, AOB, on dit que c'était un coup d'État. Vous avez fait un coup d'État. Donc vous devez sauver toutes les personnes qui avaient été arrêtées. Parce que le coup d'état est égal à coup d'état. Donc libérer ces gens-là. Je ne vais pas aller au-delà. Je pense que vous allez bien me comprendre. Mon frère Bouria, Awatoum, on est là. Il faut laisser Alpha 1. Il faut laisser notre Mbemba Alpha. Qu'on dit, Alpha Condé. Alors, chers compatriotes, je reviens sur les CISER. Ce que je viens de dire, c'était juste l'information générale. Et au-delà, le cas, Gibril, Azilou King et notre frère, comme on appelle euh, Mess Barry, je voudrais que nous essayions de tourner ces pages-là. Essayons de tourner. Heureusement, Gibril a compris. Il m'a contacté. Il n'y a plus rien. Il a tourné cette page. Je sais que aussi Mess Barry a bel et bien compris. La page, il a tourné. Je ne voudrais plus, et nous, militants, responsables de ce parti, ne voulons plus que les militants viennent s'attaquer sur les réseaux sociaux. Ça ne nous honore pas. C'est ce qui fait plaisir aux herpésistes qui sont là aujourd'hui, qui ne font que guetter l'IFDZ matin, midi, soir. Ah, il n'y a pas un petit problème là-bas. Attends, il n'y a pas eu de, de, de faille. Ah, non, nous, on veut des nouvelles. À l'air là l'air cible, sur l'IFDZ. Ne donnons pas la valeur à ces gens-là. S'il vous plaît. Arrêtons de s'attaquer, de, de se contre-attaquer sur les réseaux sociaux. Ça n'aide pas le parti. Ça n'aide pas le parti. Je pense que tout le monde a compris. Tout le monde a compris ce message. Je ne parle même pas seulement à Mess Barry ou à, à, à Dibril à Zilou King. Parce que si cela continuait, ce n'était pas bon. Heureusement, vous avez vu, Mess a, 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 a pris une vidéo de Dibril qui l'a postée et cela a créé des tollés. Mais chacun d'entre eux, si Mince te parle et que Dibir te parle, tu vois des vérités différentes. Mais je crois ici, les gens ont tranché cette affaire. Tournons cette page. Je vous considère tous, mais on doit se respecter à la base. Il n'est pas bon de venir attaquer sur les réseaux sociaux un communicant de l'IFDZ ou, ou quelqu'un de l'IFDZ. Faisons ça entre nous. C'est extrêmement important. Je ne parle pas des autres. Nous sommes en politique. Il faut savoir faire la politique. Vous ne pouvez pas venir attaquer quelqu'un qui se bat pour le parti sur les réseaux sociaux. Pensez que cela va rester comme ça. Il aura des contre-attaques et ça ne va pas aider notre parti. Vivons en union ça pourra aider le parti. Maintenant, le cas Madik sans frontières. Chers compatriotes, c'est le premier sujet d'ISO. Alors, on a tous suivi. Madik Sans Frontières, qui a fait une sortie, qui a fait une sortie sur la base de notre frère Paikou Sare. Et on a tous écouté Madik. Mais moi, il y a eu des choses qui m'ont vraiment tagué l'esprit. Madik devrait éviter certaines sorties ou même s'il doit le faire, mais il doit prêter beaucoup attention à ces mots. Parce que moi, j'ai souligné juste quelques points que même j'ai noté. Dans sa vidéo, il a dit quelque part que l'IFDZ, c'est-à-dire les militants de l'IFDZ, non seulement un, en grande partie sont des ethnos, et au-delà, les responsables, Certainement et du bureau national, en tout cas les proches de l'ACLO, qu'il est dessus de beaucoup d'entre eux, qu'il est dessus du fédéral de Montréal, M. Péter, un monsieur que je connais personnellement, qu'il est dessus de tout ceci, et qu'il y a certains, parce qu'il n'a pas Angle ce qu'on dit. La plupart, la majorité, ça veut dire que c'est presque tout le monde. Si dans, dans 10, 7 ou 8 sont des ethnos, ça veut dire quoi, chers compatriotes Je ne sais pas qu'est-ce que les gens appellent ethno. En réalité, je ne sais vraiment pas. Parce que Alpha et son système ont calqué ça dans l'esprit de beaucoup de personnes. Et c'est très grave. Mais les gens que Madi qualifie d'ethno sont les mêmes gens qui ont fait sa promotion ici, qu'il a été connu mondialement. En ce moment, les gens dont il est en train de défendre aujourd'hui le leader, je vais parler d'RPZ, parce que vous l'avez même suivi aussi au-delà, qui dit que eh, Ousmane Gawal est eh, l'autre, eh, comment on appelle il faut que Menge que ce n'est pas Alpha Kondé qui, qui les a arrêtés. C'est que ce n'est pas Alpha le problème pour lui. C'est que c'était dans leur propre camp. C'est des gens qui les connaissaient, qui voudraient ennuyer que Alpha Kondé n'a rien à voir dans ça. Je ne sais pas. Qu'est-ce que mon frère m'a dit qu'il veut exactement expliquer là? Moi je crois. Il faut savoir faire les choses. Et je jure, je ne suis pas diant, hein, mais je jure, mon sixième sens me dit quelque chose. Si Alpha Condé était jusque-là au pouvoir, Madic n'allait faire aucune sortie pour parler de la politique encore. Parce qu'il nous avait dit qu'il ne parlera plus, il a dit qu'il tourne la page de la politique. Il quitte l'IFDZ et puis il se retire de la politique. Pourquoi tout ce qu'il dit aujourd'hui, il n'a pas dit ça autant d'Alpha Condé Il avait, il, avait, il avait parlé, il avait fait une première sortie. Et là aussi, il a été au juste milieu. C'est-à-dire, caresser, c'est loup, caresser Alpha. Je suis pas, moi, je ne suis pas dans ça. Des personnes ne peuvent pas avoir raison à la fois. Non, non, jamais. Il y a un bourreau, il, il y a une victime. C'est comme ça. Tout le monde ne peut pas avoir raison à la fois. Si tout le monde a raison, ça veut dire que tout le monde aussi a tort. C'est la logique, c'est la loi de la nature. Donc, mon frère m'a dit, il faut savoir que l'IFDZ n'a rien contre toi. Mon James je n'ai rien contre toi. On s'est tous levés ici pour te soutenir. Quand j'ai dit te soutenir, c'est sur tous les plans. Les gens ont changé ici leur profil, y compris moi, mon compte personnel. Depuis que j'ai appris qu'il m'a dit qu'il a arrêté. Jusqu'au jour qu'on t'a libéré, c'est ta photo qui était sur mon profil. Et bon nombre de Guinéens l'ont fait. Et à majorité, plus de 90%, c'est des militants de l'IFDZ. Vous devez faire beaucoup attention à vos communications. Parce que je les dis, j'insiste, ne voyez pas les gens qui viennent commenter dans vos vidéos. Parce qu'ils ont les noms Diallo, Barisso Baldé. Croire que c'est des militants de l'IFDZ. C'est des gens qui donnent leur opinion personnelle. Tous ceux qui commentent ici dans ma vidéo. Hein? Est-ce que j'ai le contrôle de ce qu'ils écrivent? Je ne suis pas dans leur esprit. Alors, tous ceux qui disent là, je ne peux pas dire, par exemple, si la majorité c'est des malinquiés, je ne veux pas dire que c'est des malinquiés. Si c'est Moussa Kondé qui a commenté, je ne parlerai que de Kondé. Mais je ne veux pas dire que. Je ne veux pas les, 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 les simuler au RPZ arc-en-ciel. Mais c'est ça le problème. Et ça le problème. Donc, moi je crois que cette sortie n'avait pas sa raison d'être. Franchement, ça m'a touché parce que je sais jusqu'où et moi et bon nombre d'autres personnes ont fait pour que Madik puisse recouvrir sa liberté. Même si, par la suite, il avait fallu prendre un engagement pour être libéré. Mais chance que c'est les pressions qui ont poussé Alpha parce que le monde entier parlait de Madic... Et c'est nous qui avons créé ce buzz-là, qui ont attiré l'attention des Guinéens. À Ottawa. Hein? À Ottawa, Montréal, Québec. La fédération de l'IFDS dont tu dis que tu es dessus. Les gens ont mobilisé là-bas les citoyens pour te soutenir, Madic... Nous, ici aux États-Unis, on a fait la même chose. En Europe, les gens ont fait la même chose. En Guinée, la même chose. Le fédéral de Montréal, je suis témoin parce que je fais partie de, de, de la coordination des 15 fédérations de l'Amérique Et au, aussi au niveau de la communication. Donc, tout ce qui se passe, je suis informé. Combien de fois les gens ont cotisé, ont mobilisé de l'argent pour envoyer, pour aider, pour soutenir du fait que tu étais en prison Combien de fois? Je ne connais vraiment pas. Donc, après tout ça, tu ne peux pas sortir, dire que tu es dessus. Je ne vais pas rentrer dans les dessous par rapport à ça, à cette situation de la Fédération de Montréal. Mais j'en connais beaucoup de choses. Je voudrais seulement que tu puisses changer un peu cette manière. Si tu veux revenir en politique, mon frère, reviens, comme tu l'as si bien dit. Personne ne peut t'empêcher de parler. Tu as parfaitement raison, tu es un citoyen libre. Mais à partir du moment où tu dis que tu as quitté l'IFDZ, mon frère, il faut laisser l'IFDZ avec les problèmes. Ne viens pas aussi envenimer la situation. Tu n'es pas interdit de parler de l'IFDZ, c'est un parti national. Mais il faut éviter de tenir certaines contre-vérités. C'est là le problème. C'est là où moi j'ai le problème avec toi. Parce qu'au-delà, dans cette communication aussi, tu es allé jusqu'à dire, je sais que tu étais soutenaire, je ne sais pas qui t'a fait du mal au sein de l'IFDZ, mais tu ne peux pas prendre la majorité, parce que tantôt tu dis certains, tantôt tu dis la plupart ou la majorité des militants, les responsables du parti, il n'y a jamais une entité 100%. Correct, il n'y en a pas sur cette terre. Ça, je suis d'accord avec toi. Et aussi, c'est de ne pas contrôler tout. Un père de famille qui a deux enfants, je dis seulement deux, même un enfant, tu ne peux pas le contrôler. À un certain moment, tu ne peux pas contrôler, tu ne peux pas savoir tout ce qu'il fait. Même si vous dormez dans le même lit, tu ne peux pas connaître tout ce que ton enfant fait. Même dans ton lit là-bas, il peut planifier des programmes, il peut planifier tout ce qu'il veut. Vous êtes coussé dans le même lit. Vous causez, il, il a l'esprit ailleurs. En plus forte raison, un leader politique qui a des millions de personnes derrière lui, il ne peut, peut pas contrôler. Celle-là ne peut pas tout contrôler. C'est pourquoi il y a des structures. Mais les réseaux sociaux, ce n'est pas le petit nombre qui vient s'exprimer ici ou qui font des commentaires qui résument le parti FDZ. Il y a des milliers de personnes. Il y a ce qu'on appelle la majorité silencieuse, elle est la plus importante, et ces gens-là ont eu de la considération pour toi, Madik sans frontières. Je connais une femme qui a perdu son foyer à cause de toi. Est-ce que tu le savais? Une femme, je vous le jure. Parce que tout simplement, la femme a mis ta photo sur son profil. Partout. Elle ne parle que de Madik. Elle avait pitié, elle ne t'a jamais connu, elle ne t'a jamais vu. Mais elle t'a aimé pour tout ce que tu as eu à faire. À un moment donné. Au fait, quand il y a un problème au niveau d'une personne, il faut mettre les choses dans la balance pour voir où ça pèse de plus. Elle t'a aimé, cette femme. Mais à cause de toi, elle a perdu son foyer parce que son mari était tellement jaloux. Son mari a été tellement ce qu'il n'a pas pu supporter. Son mari a tout, a tout fait pour qu'elle enlève tes photos, sinon ils vont, ils vont divorcer. La femme a dit, hé, hey, le jeune là il est victime du régime Alpha Condé Parce qu'il a rejoint notre parti FDZ. Par conséquent, on va le soutenir. Moi, c'est une manière pour moi aussi de le soutenir pour faire comprendre que ce jeune ne mérite pas la prison. À cause de ça, même si ça n'a été que de prétexte pour son mari, je peux le dire, parce que moi je ne veux pas divorcer avec ma femme à cause de ça. Des situations comme ça. Un mariage ne se, ne se planifie pas à un seul jour. Alors, beaucoup de gens t'ont soutenu, mon frère. Donc, faut pas sortir, parler d'une manière qui va encore vexer. Parce que tu as dit que tu as connu trois phases de l'IFDZ. Avant que tu ne sois dans le parti, ce qu'on te disait, ou ce que tu voyais, quand tu es rentré, tu as trouvé le contraire. Et quand tu es sorti encore, tu as vu autre chose. Donc, c'est comme ça aussi les aléas de la vie. Tout ne peut pas être rose, même dans la propre famille. Tout ne peut pas être rose. Parce qu'on ne peut pas être dans l'esprit de tout un chacun. Mon frère m'a dit sans frontières. Les mots sont très importants à zérer, à maîtriser. Si vous voyez que je n'envoie pas souvent des en sur ma page, le plus souvent, c'est pour ne pas qu'il y ait certains débordements. Parce que ma responsabilité sera engagée. Par conséquent, tu dois changer de langage, mon frère. Et reconnaître le grand effort. Si aujourd'hui le monde entier dit Madik, 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 quand tu prends les abonnés sur ta page, si tu avais 100 000 abonnés, si tu vérifies, tu vas trouver. Que 90% sont des militants de l'UFDZ. C'est une fierté. Parce qu'on voit la vérité en toi. Même s'il y avait les excès, mais on voyait la vérité en toi, on voyait l'amour de la patrie en toi. C'est dans les que tu as intégré l'UFDZ. La force, tu as eu plus de force encore. Parce que quand tu entends un blogueur, c'est les gens qui te suivent. L'influence est là. C'est le nombre de vues. L'influence est là. C'est ça, c'est que les gens qui t'accordent de la considération, c'est là où on se comme un leader politique. Quand avez, si aujourd'hui tout le monde doute de ce loups, doute, tout le monde a peur de ces loup, ce n'est ni sa beauté, ce n'est pour ni son intelligence. Mais c'est à cause de nous autres qui le soutenons. Je vais parler des militaires sympathisants de l'EOFDZ. Parce qu'ils ont compris que plus de 50% de la population soutiennent la suite c'est pourquoi ils ont peur de lui. Donc il faut avoir... Il y a combien de milliardaires en Guinée Mais pourquoi on n'a pas l'attention sur tout ceci C'est parce qu'ils ne rigolent pas beaucoup de personnes autour d'eux. Mais pourquoi c'est loups, Partout, il va même dans la foulée quand il arrive. S'il y a des journalistes qui sont avec d'autres leaders ou en tout cas d'autres personnalités, une fois que c'est lui arrivent, arrive, tout le monde est là. Parce qu'on sait que c'est un homme qui représente une grande chose. Et je suis d'accord, c'est un homme qui a le cœur bien. Des hommes comme ça à la tête du pays, tout peut marcher. Et je sais, comme on le dit, que ce n'est pas seulement les militants de l'FDZ qui vont élire ces lots. Mais il faut savoir que ça pèse beaucoup. Parce que dire que si les gens ne changent pas, s'ils ne font pas ceci, cela, même s'ils si, parvenaient à élire ces lots, il ne pourra pas rester là-bas parce que les autres Guinéens vont s'opposer. Quand on dit d'autres Guinéens, on sait sur quelle voie on veut aller. C'est toujours ce que Alpha Condé a, 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 a laissé comme mauvais héritage au pays. Quand on dit les autres, on veut parler des soussous, des forestiers, des malinqués. Ce n'est rien d'autre que ça. Donc nous devons tous sortir dans cette bassesse. Moi, je parle le complexe ethnique dont certains ont aujourd'hui je n'en ai pas j'ai eu la chance d'être né entre Thomas Kissi Guerzé Mania Malinke. j'ai grandi avec eux donc je connais parfaitement le guinéen tu me sors M, M. Malinke, je te dirai qui il est je le connais très bien je connais bien les Thomas les... je connais bien le guinéen en Nemo. Donc, il faut sortir dans ce débat parce que tu as aussi souligné quelque chose qui m'a vraiment choqué. C'est lorsque tu parles que les 11 années du régime alpha qu'on est, les militants de l'IFDZ ont saboté le régime alpha, le système. Je ne sais pas pourquoi tu fais les yeux d'Alpha Alpha aujourd'hui. C'est que je comprends pas. Comment nous, on a saboté le régime alpha Parce qu'il faudrait que tu donnes les détails par rapport à ça. Nous, on n'a nullement pas saboté le régime Alpha. Plutôt, on voudrait qu'Alpha soit un homme honnête. Il n'a pas voulu. Et aujourd'hui, il est dans la poubelle de l'histoire. Est-ce que c'est nous qui avons dit à Alpha Condé de refuser d'organiser les élections législatives six mois après sa magistrature suprême C'est nous qu'on l'avait qu dit de ne pas faire ça. Et pourtant, c'était les accords du WAGA. C'est nous qui avons dit à Alpha de ne pas le faire. Est-ce que c'est nous qui avons dit à Alpha de ne pas organiser les élections communales six mois après ou une année après, 2000, euh, après son investiture, en 2010? Est-ce que c'était nous qui avions dit ça à Alpha de ne pas le faire? C'est nous qui avons dit à Alpha de caporaliser hein, l'administration territoriale pour imposer les faux, les faux résultats, acheter des armes données à ces milices. Qui sont au, au sein de la police, la gendarmerie, pour massacrer les citoyens. Si Alpha était sur la voie de la démocratie, s'il était sur la bonne voie, tout le monde allait l'applaudir. Mais il est venu là instaurer d'abord l'ethnostratégie avec son clan satanique pour opposer, dire tous contre un. Ils l'ont fait ici en 2010, devant tout le monde. Et ils étaient fiers encore parce qu'ils le disaient avec arrogance et orgueil. Mais aujourd'hui, ça les a rattrapés. Parce que Allah, le Tout-Puissant, ne dort pas. Ils ont manigancé, manipulé les Guinéens. Les opposés en communauté. Les gens qui se mariaient, qui pouvaient tout faire ensemble. Aujourd'hui, se méfient. Ils se méfient. Je vais parler entre les Malinqués. Et tout ça. Alpha a, a enfoncé cette situation-là. Parce que tout a commencé à partir de leur faux problème d'empoisonnement. Et cela a désénéré en Haute-Guinée. On a tous vu. Nous aurait été à l'époque. Le message sage et personne de la soldat l'angialo qui avait donné l'instruction à son fief, au Fouta, de ne pas tousser malinqués. Ce sont nos frères. Savoir que nous vivons ensemble il y a de cela des décennies. Imaginez si on toussait, parce que ça avait commencé à Mamou. Je croyais à Dalaba. Mais heureusement, le message a été vite compris et ça s'est arrêté. À Kankan heureusement. L'essence de Cancan avait refusé à l'époque qu'on ne tous pas un peuple là-bas. Mais à Sigiri, à Kouroussa, on avait ce qui s'était passé. Et c'est là où il y a eu le grand fossé entre le peuple et Maléke. Alpha est à la base de tout ça. C'est les militants de l'EFDZ qui l'avaient dit de faire tout ça pour gagner le pouvoir. J'ai toujours dit un pouvoir mal à qui ne propose jamais. Vous ne pouvez pas manigancer, triquer, pagailler sur des choses, penser, eh, croire que cela va vous profiter. Ils ont gagné vite tout ce qu'ils ont eu. Mais aujourd'hui, c'est le tour des marabouts. Parce qu'ils sont tous les cramokos aujourd'hui pour voir s'ils si peuvent se sauver. Tous ces cassecs d'RPC. Donc, ce pas, pas nous. On n'a jamais saboté le régime d'Alpha Kondé. Je suis désolé. Alpha s'est saboté lui-même. Et aujourd'hui, il a sémé. Il a récolté ce qu'il a semé. C'est lui qui s'est saboté. Tout ce que nous on le disait ici. Arrête, mieux compris toi, Madik. Parce que tu as dit que ce qui t'a envoyé en, euh, en politique dans ces débats, c'est du fait que tu voyais une communauté ségrégée. Et c'était clair. Alpha avait pour possible la communauté Peul. Mais on lui a dit il ne va pas réussir. Toute personne qui met ça dans, ta dans sa tête, il ne va pas réussir. Un Peul ou un Peul. Qui s'acharne contre une communauté parce qu'il a un poids, il ne va jamais réussir. Un sous-sous -sou qui le fait autant, il ne va jamais réussir. Parce que vous, on, vous ne pouvez pas penser réussir dans un pays en excluant une partie de, 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 de la composante du pays. Ça ne marchera pas. Il est même venu dire que la Guinée est un véhicule à quatre roues. Quatre roues! Et quand on enlève un pneu, le vécu ne peut pas marcher. Mais c'est ce que lui il faisait, Alpha. Hein? Donc tu ne peux pas nous dire aujourd'hui tout ce qui s'est passé, Alpha n'était pas, pas dedans. Allez les Nadi, allez les Fadi. Il est tout. Parce qu'il n'était pas aveugle. Il avait sa tête. Quand tu dis que ce n'est pas lui qui a mis le Ousmane Gawal en prison. Ce n'est pas le même Alpha qui a fait une sortie pour dire que les grands pagailleurs sont aujourd'hui à Coronti, en rigolant devant, devant les citoyens, en se moquant, dire que le pays est sous contrôle maintenant. Les grands pagailleurs sont à Coronti, ils sont là-bas, ils sont logés là-bas. Et quiconque qui pagaille encore, ira à Coronti. Lui, au moins, il a eu la chance a eu pitié de lui. Lui, il est au cas de belle vie. Hein Donc, j'ai beaucoup de respect pour toi, mon frère. Arrête certaines sorties. Il faut reconnaître le bienfait du lièvre désir Si quelques-uns t'ont frustré, pense ce que la majorité a eu à faire pour toi. C'est ce qu'on appelle un homme. Je n'ai rien contre toi. Mais il faut arrêter certaines sorties parce que tu vas, tu vas frustrer les gens qui se sont battus et tu vas décourager les gens aussi à croire à d'autres personnes qui disent qu'ils viennent dans un combat. Mais vous savez, dans la vie, je vais vous dire, toutes choses qu'on fait, parce que euh, parce que on comment on appelle ça? Parce que on, 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 veut, on veut se venger. Ou que on fait parce que euh, on a été ségrégué, ou on le fait parce que qu'est-ce que le mot, le mot là m'échappe là? Euh, 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 parce que vous n'avez pas eu l'avantage avec qui vous avez mené le combat, ça devient des de fois compliqué. C'est très difficile de savoir si ce combat est un combat sincère. Parce que nous savons, il a, il a toujours dit que sa grande famille elle a, est, est du RPZ. C'est une réalité. Une réalité. Mais pourquoi lui s'est retiré? C'est parce qu'il n'était pas content de tout ce qu'Alpha a fait. Alors c'était une vengeance quelque part. C'est une réalité. Donc ça, ça ressemble à quoi À un homme qui a une femme chez lui, dont peut-être il n'y a pas d'entente, il y a des petits problèmes, il va y marier une autre femme. Il ne marie pas cette femme parce qu'il aime cette femme, mais il marie cette femme pour faire mal à la première femme qui est, qui est à la maison. Mais s'il envoie cette femme-là, il trouve encore autre chose. Ça devient compliqué. Et des fois, après tout, il peut encore quitter cette, cette désinfâme. Alors, ce que Madik a fait. Sinon, après la prison, tu ne devrais pas démissionner de l'IFDZ. Si le combat était vraiment sincère, tu ne devrais pas du tout démissionner. D'ailleurs, c'était un galon, un poids pour toi. Tu avais tous ceux qui avaient refusé de démissionner. Après la chute d'Alpha. Mais ils ont été acclamés comme des héros. Comme des héros. Tous ceux qui avaient refusé de signer. D'accorder cette grâce là. On sait que la prison. Nous aide. <coughs> afin d'éviter la prison. Mais. Tu allais au moins prendre cette grande décision. Même si on t'avait gracié. Tu devrais éviter de sortir. Pour dire que tu arrêtes la politique, tu pouvais te taire à l'image de Suleiman Kondé, venir te taire, jusqu'à ce que tu puisses comprendre la situation que tu as laissée, mais venir dire que tu démission. et après quelques temps, revenir encore, commencer à faire, à taper pour opposer les uns à l'interne, dire que ce qui, qui voudraient est Ousmane Gawal, ce pas Alpha Kondé, ce que c'est l'un de ses amis d'enfance, ou Zelé laissé qui. Mais Il faut éviter d'opposer les gens. Actuellement, on veut rassembler les Guinéens autour de la Soudanégalo. C'est ça l'objectif. Nous savons que tout n'est pas sain et on ne peut pas aussi tout contrôler. Il y a des gens, des extrémistes, comme si bien au sein de l'UFDZ et c'est comme ça au sein de tous les autres partis politiques. C'est comme ça, et ça, c'est dans le monde entier. Tout le monde a vu autant de Trump ici, ce qui s'était passé. Hein? Les républicains extrémistes, ce qu'ils ont fait. Capitole ici, et, et, à Washington. Chose du jamais vu aux États-Unis. La première puissance du monde. Le pays le plus démocrate au monde. Mais autant de, de l'autre, comme c'était un pagaillère, Donald Trump. Les extrémistes se sont excités et on a vu ce qui s'était passé. Donc on ne peut pas tout contrôler. Mais ça ne veut pas dire encore, tout n'est pas rose. Donc, pour clôturer ce sujet, je vais dire à mon frère Madix Sans Frontières, il doit rétablir cette situation-là. Dire qu'il est dessus de M. Peter, qui a presque tout fait, qui a mobilisé les gens, qui nous contactait ici à tout moment. À on doit essayer de faire quelque chose pour Madik. Essayons d'avoir un peu de sous pour lui venir en aide. Parce que là où il est, la situation elle est, elle est, elle est catastrophique. Même s'il a l'argent, mais il ne peut pas avoir accès à son argent actuellement. Et c'est à cause de l'IFDZ qu'il a été arrêté. Parce qu'il soutient l'IFDZ. Mais il doit savoir que c'est son propre combat qu'il faisait. Parce qu'il fait un combat national. Moi, aujourd'hui, si, si je faisais ce combat pour moi-même, je n'allais pas être là. Parce que le RPC m'avait tellement dragué à l'époque. Viens, on veut de toi, et on va t'intégrer au sein de la, à la fonction publique et le ministère que tu veux. On peut t'envoyer pour faire des formations. Patata, venir occuper des bons postes. Il n'y a pas assez qu'on ne m'a pas proposé. Certains amis ont accepté, ils sont allés. D'autres sont directeurs aujourd'hui, je vous jure sur l'honneur. D'autres occupaient des, des grands postes. Et jusque-là, d'autres sont à leur poste. Parce qu'il faut préciser une chose. Pour qu'il y ait aussi la réussite de cette transition, il faudrait que tous ces ministres, je l'ai dit, insiste encore, ils doivent aménager, ils doivent remanier leur, leur cabinet. S'ils si maintiennent les gens qui sont là-bas, je vous assure, la majorité, c'est des gens d'ERPZ. Et ils veulent court que coup, saboter la transition. Parce qu'ils n'ont que deux, deux personnes qu'ils visent aujourd'hui. C'est Kassi d'ERPZ. Ce colonel Doumbouya, comment le voir échouer et comment empêcher Seloudalin d'y d'être être président Parce qu'Alpha disait qu'il ne, qu ne souhaite pas voir Seloudalin président de son vivant. C'était son combat. Il a laissé le combat national pour aider les Guinéens. Il s'est braqué contre IFDZ et aujourd'hui, c'est lui, est, est lui, lui qui est par terre. Même aujourd'hui, moi, je suis libre plus que lui. Et je vais aujourd'hui, je coupe mon biais, je vais en Guinée et je passe à. Et au cas de Belleville, j'ai dit, coro, tamasi Il ne peut rien maintenant. Il est devenu panthère sans griffes. Panthère sans dents. C'est ça aussi. Alassé, tacler des orgueils, des arrogants dans la vie. C'est pourquoi nous devons être souples, humbles dans cette vie. L'arrogance, l'orgueil sont toujours nos ennemis, chers compatriotes. Acceptons d'être des personnes douces, Acceptons que tout marche sur nous, mais nous ne marchons pas sur tout. La grandeur de la sourde, c'est là-bas. On dit il est faible. Il est comme ça. Il est tout. Mais c'est pourquoi il résiste toujours. C'est pourquoi il a toujours son code de populaire. Il est là. Parce qu'il croit en Dieu. Il sait que son destin ne va jamais le rater. Il a toujours dit patientons-nous Allah même a dit dans son Coran J'aime les personnes patientes. Et la vie est pour ceux qui sont patients. Et non pas ceux qui courent à la précipitation, à une vitesse de précipitation. Voilà. Donc, je ne vais pas trop parler de ceci. -là. Je vais essayer de m'arrêter pour dire à mon frère Madik que nous, on n'a pas saboté Alpha Condé. Alpha s'est saboté lui-même. Parce que s'il acceptait d'être un président républicain, démocrate, qui était venu, qui organise les élections libres et transparentes, qui crée. Une sécurité qui met toutes les bonnes et qui, 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 qui laisse une justice faire bien son travail. Cela pouvait encroiser les investisseurs. Aujourd'hui, personne n'allait parler de Selouda Lendiallo. Ça allait trouver que tout le monde regrette pourquoi Alpha a fini ses deux mandats. Mais aujourd'hui, c'est la joie partout. Donc, il faut aussi préciser une chose très, très importante. S'il vous plaît, partagez-moi cette vidéo. Parce que là, il faudra que cela soit clair ce que je vais dire ici tout de suite. Partagez et abonnez-vous sur ma nouvelle page là, Tidia La Force. Qu'est-ce que je vais dire ici? Vous savez, souvent, j'entends les gens dire que euh, aujourd'hui, on applaudit Mamadi Doumbouya. Demain, c'est nous aussi qui vont se lever pour s'attaquer à Mamadou Doumbouya. <laughs> Chers Guinéens, comprenez une chose, Mamadi Doumbouya n'est pas plus important que les Guinéens. Nous allons soutenir, accompagner Mamadi Doumbouya et le CNRD jusqu'au terme de cette transition. Mais une seule condition, qu'ils restent sur la droite ligne, comme ils ont commencé, avec les promesses qu'ils ont tenues, qu'ils les respectent rigoureusement. En tant qu'ils seront sur la bonne voie, nous serons avec eux. Le jour où ils vont dérailler, nous allons dérailler. Ça, c'est automatique. C'est automatique. Il faut même pas aller, sur les fétichers pour ça, ou c'est les marabouts. C'est automatique, parce qu'aujourd'hui, nous avons tous intérêt que ce pays-là puisse avancer. Nous avons tous intérêt qu'on ne reprenne plus les erreurs du passé. Lui-même, colonel Mamadi Doumbouya, il a dit, hein, nous devons tous éviter les erreurs du passé. Et ces erreurs du passé, nous les savons. Aujourd'hui, je vais attirer l'attention de Mori, le ministre de l'administration territoriale. Parce que tout tourne au, au, à ce niveau-là. Une transition n'a que deux missions. C'est la continuité des affaires publiques pour ne pas que le pays s'arrête. En même temps, Organiser les élections libres et transparentes, ce sont les deux missions principales. Maintenant, ils se sont lancés dans cette affaire de corruption. Nous les applaudissons. C'est une très bonne chose parce que le pays avait trop souffert. Ils n'ont qu'à nettoyer proprement le pays. Nous les applaudissons, nous les félicitons. Mais là où ça va crier, c'est lorsque Quelques-uns, parce que c'est que Colonel Mamadi Doumbouya, il a le cœur ouvert. Même en le voyant, on sait que c'est un homme sincère qui veut réussir. Il est à l'image de Moussa Dadis, camarade. Je vais vous dire, seulement ils sont différents. L'autre était toujours, il se précipitait, il n'avait pas de secret. Et puis, sinon, c'était une bonne personne, Colonel Mous euh, 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 Capitaine Moussa Dadis. Colonel Doumbouya aussi est comme ça. Même en le voyant, on sait que c'est un homme qui veut réussir. Mais il doit faire beaucoup attention à ceux qui vont l'induire en erreur. Il a dit d'éviter les erreurs du passé. Et ces erreurs du passé, c'est du fait qu'on a toujours imposé les gens à la tête de notre pays. Imposé les gens au niveau de, de, de tous les postes électifs de notre pays. C'est là où tout a bardé. Donc, il faut savoir une chose. Pour ceux qui disent que, encore on sait, quelque temps, c'est les militants de l'IFDZ qui vont sortir pour manifester, pour faire ceci, cela... Nous ne sommes pas là pour manifester, nous sommes là pour accompagner. La preuve en est que la soldat lui même a dit, quand il est parti en France, il a toujours encouragé ses, 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 ses amis, il a toujours encouragé les institutions internationales de venir en aide à la transition, de venir en aide d'aider le colonel Mamadi Doumbouya afin de réussir, de ne pas couper le pays. Si lui, il voudrait, il ne pensait qu'à ses intérêts personnels, il n'allait pas le dire. Il allait dire, aidez-moi. Mais pourquoi il le dit C'est parce que il pense que Colonel Mamadi Doumbouya va respecter ses engagements. Et ses engagements, c'est quoi C'est de nous organiser des élections libres et transparentes. Eux, qu'on dise pour la première fois dans l'histoire de ce pays que les Guinéens ont choisi librement leur président. Ça ne va plus crier dans le pays. On vous a dit, Alpha n'avait que des clients. Il n'a jamais eu de militants engagés. Les vrais militants d'RPG ont été, eh, c'est-à-dire, ont été minimisés. Saboté, abandonné. Et quand Alpha est parti, ils ont. Ah, Les gens étaient dessus. Maintenant, on a compris Arc-en-Ciel. Ce n'est que des clients. Des clients. Parce que quand ils ont arrêté Alpha, ils ont fait quoi? Quoi? Aujourd'hui, c'est eux-mêmes se précipitent pour avoir quatre représentants au niveau du CNT. C'est des opportunistes. Alors, si là dit ça, pour accompagner la transition, nous, ici aux États-Unis, je sais ce que nous sommes en train de faire pour que les autorités américaines puissent aider la transition guinéenne. On ne dort pas, on a des responsables. À sa fois, ils sont, ils sont entre les avions, entre les États, pour caresser les autorités américaines afin d'aider la transition guinéenne. Parce que nous avons tous intérêt que cette transition-là puisse réussir. Beaucoup d'entre vous ne savent pas ce qui se passe. L'ombre, mais j'ai la chance d'avoir la confiance des grandes personnalités qui se confient à moi et qui me disent beaucoup de choses dont je suis obligé encore de garder comme secret. Mais je vais vous dire seulement que l'on est a intérêt d'organiser des élections libres et transparentes pour sauver notre pays. C'est tout sans qu'il n'y ait des agendas cassés parce que l'agenda caché, c'est pas bon, ça va mal tourner. Et ce n'est pas ce que nous souhaitons. Donc, si les gens pensent que demain, demain, si ça rate, on n'aura pas un, autre, un mot à dire, c'est le bon moment de se détromper. Non, on ne va pas observer notre pays, aller à la dérive. Ça ne marchera pas. est tombé a perdre de bonne foi. Mais les gens avec lesquels il est aujourd'hui, certains peuvent avoir de mauvaises foi ou avoir leur propre calendrier. Dire que parce qu'on est ministre, c'est ce qui s'est passé au temps d'Alpha Kondé. Il y avait des gens qui avaient leurs propres calendriers. Ils ont poussé Alpha à l'erreur, Alpha a cautionné. Aujourd'hui, ils sont tous dans la boue, dans la poubelle, dans les ordures. Aujourd'hui. C'est ce qu'ils ont cherché. Donc, colonel, je souhaiterais, après cette transition, vous voir, vous voir les États-Unis, la France, hein, les pays africains, vous applaudir partout, partout où vous partez. Cela sera une fierté pour moi de dire oui. Lui, c'est un Guinéen. Il a été le président de la transition. J'en suffisais, il a sauvé ma, ma, ma patrie. Tout ce que vous pouvez faire, colonel, c'est de nous organiser une élection libre et transparente. S'en aller. Vous allez rester éternellement dans l'esprit des hommes. Vous avez dit que vous êtes John Rawlins de la Guinée. Faites comme lui. Organisez des élections. Partez. Vous pouvez revenir pour vous présenter comme candidat en zoo. Mais tout dépendra de vous. N'acceptez pas d'être dans la poubelle de l'histoire comme Alpha Condé. Ne le faites pas. Tous ceux qui vous soutiennent aujourd'hui, qui sont auprès de vous, je ne souhaite pas, si vous échouez, vous ne verrez personne à côté de vous, Colonel Doumbouya. Donc, vous savez bien, vous connaissez bien cette leçon. Vous connaissez très bien cette leçon, Colonel Doumbouya. Alors, on est prêt à vous accompagner en tant que vous serez sur la bonne voie je prédis le Tout-Puissant Allah qui vous reste sur la droite ligne jusqu'au terme de cette transition. Aujourd'hui, c'est des guéguerres pour 15 postes, 15 places. D'ailleurs, je vais dire, concernant eh, le CNT, des partis politiques, des partis qui n'ont même, même pas de siège, viennent aujourd'hui 181 partis pour 15 places. Chers compatriotes, et beaucoup d'entre eux sont, sont excités là-bas pour avoir une place ou deux ou trois pour 15. Mais non, au moment où c'était chaud là, on voyait quel parti politique. On voyait quel parti politique en réalité. Hein C'était l'IFDZ L'IFR Hein À un moment donné, mais c'était pas les foyers à 1000 tout ceci était dans le combat avec le, le FNDC. Mais quand ça a ça a ça a tous les autres se sont retirés. Ils se sont retirés, ils ont, ils ont gardé un grand silence. C'est l'IFDZ qui était là et l'ANAD. Une alliance, je vous jure, c'est une alliance de réussite. L'ANAD, là, on doit éviter toute chose par rapport à ce que... C'est une alliance qui va nous donner la victoire, je vous le jure. C'est une alliance très forte. Je vous le dis. Hein? Parce que les gens qui sont dans l'Anad, il y a des gens, ils sont bien considérés dans la zone forestière. Bien considérés en Basse-Guinée et un peu en Haute-Guinée. Ça, je vous le dis. Ils ont leur mot, ils ont leur voix. Donc c'est une alliance gagnante. Aujourd'hui, pour ces postes-là, chacun vient... De... C'est que beaucoup veulent aller au CNT. C'est pas parce qu'ils veulent. Ils pensent faire quelque chose pour la Guinée, chers compatriotes. Ils viennent... Tous les problèmes, c'est affaire de sous. Parce qu'ils pensent qu'il y aura de l'argent là-bas. On connaît le Guinéen. C'est malheureux. Parce que si on avait dit au CNT n'aura pas d'argent, vous allez faire le sacrifice. Vous n'allez même pas... Même pour avoir les 15, les 15 de l'opposition, ça allait être un, un véritable problème. Maintenant, aujourd'hui, on dit RPZ 4, IF, IFDZ ANAD, l'alliance l'alliance, ANAD et, 4, représentants Et maintenant, il y a, je sais pas, c'est COPEC ou quoi, quoi là. Il y a d'autres qui ont deux, d'autres, les IFR, deux et les autres, un, un. Mais ça aussi, ça crie. Les foyers sont là à sortir, parce que tout ceci. avait commencé à faire gé de Alpha Condé. Ils pensaient que la transition Alpha allait rester Zouk en 2026. Mais Dumbuya est venu couper tout. On est sur une nouvelle base et on a connu qui est qui maintenant. Tous ceux qui faisaient semblant de faire un combat, véritable combat, on a su qui ils sont. Donc, ils ne faisaient pas le combat par conviction. Sinon, les hommes qui ont la conviction, quel que soit le problème, ils restent. Voilà, ces compatriotes. C'est des choses que nous devons essayer de revoir. Donc, euh, je pense bien. Que je vais arrêter là par rapport à ce sujet je vais seulement dire à colonel Doumbouya il n'a qu'à organiser les élections libres et transparentes personne ne va saboter la transition une élection libre et transparente qu'on laisse les guinéens aller choisir les président je vais dire aux militants et sympathisants de l'IFDZ arrêtons les bruits sur les réseaux sociaux entre nous. Faisons face à la réalité. Essayons de trouver nos cartes concilières, nous qui sommes à l'étranger. Vous qui êtes en Guinée, battez-vous à trouver vos cartes d'identité pour être prêts le jour où on vous dira, le recensement a commencé, allez-y présenter pour pouvoir vous recenser. Vous avez, vous, vous attendez, quand vous envoie vos cartes électeurs le jour de l'élection, allez-y voter. Et restez là, sécurisez. Le reste... Nous avons des techniciens qui travaillent là-dessus pour que dès le soir que nous ayons notre résultat, à l'image de 2020, mais cette fois-ci, plus performant. Parce que il y a des logiciels aussi qu'on a pu trouver plus importants et, et plus importants que les autres qui pourront nous aider à la minute de connaître dès qu'on dit dans, à tel, dans tel bureau de vote le résultat, c'est déjà fini, Automatiquement, les serveurs en France et en Guinée vont recevoir le résultat. Ça sera automatique. Nous sommes au XXIe siècle. Ça sera automatique. Et tous les représentants vont se munir des petits appareils qui seront mis à leur disposition. Ça sera automatique. Donc maintenant, si IFDZ gagne, parce que pour les gens qui parlent paradis patata pour dire qu'on va se. On n'est pas là pour saboter, on est là pour aider. S'ils si pensent qu'ils vont essayer de saboter et de. C'est-à-dire d'imposer une autre personne, c'est là où ça va crier. Et on ne le sait pas. C'est que le colonel Madi Doumbia ne va pas le faire. Si l'alliance, l'ANAD, gagne l'élection dans les urnes, qu'on donne à l'ANAD. Nous, on n'a pas de problème. Parce que nous, on, on saura notre résultat. Si vous voyez qu'à l'époque, la Cour constitutionnelle malhonnête avait refusé qu'on vérifie les choses, vous savez pourquoi Parce qu'ils savaient qu'ils étaient sous le mensonge. Nous on avait tous les résultats. C'est que je vous dis, c'est un homme de Dieu. Il a peur de Dieu. Si cet homme-là, avec tout son poids, si c'était un caf, je dis bien, s'il si il, le ça allait trouver que la Guinée est dans le sang. Il y a de cela longtemps. Mais c'est un homme de Dieu, il a peur de Dieu. Quand il regarde les enfants des gens, il a peur. C'est où des fois vous lui trouvez seul, il pleure. Il ne peut pas s'asseoir devant les caméras. Quand il parle avec Hadja Alima tout des fois, elle pleure quand il voit les enfants. Assassiné par le régime Alpha à l'époque. Parce qu'on dit tout ça, c'est à cause de ces loups. C'est comme ça qu'on dit. Mais oublions que ces loups n'est pas. Coup... Loups, on ne fait que faire travailler. C'est les règles de la démocratie de notre pays. La Constitution autorise les manifestations. Quand les gens sortent, celui qui tue, celui qui est contre la République, c'est lui qui est le criminel, c'est lui qu'on doit arrêter. Et les bafoués, les fabouilles, ils vont répondre tôt ou tard devant la justice parce que toutes les personnes tuées là ne seront pas morts pour rien. Ça, je vous le garantis. Tous les ministres d'Alpha Condé de 2010, ministre de la Sécurité, ceux qui sont, étaient au niveau du ministère, du ministère de la Défense, hein, ceux qui étaient au haut commandement de la gendarmerie, ceux qui étaient au niveau de la police, ils vont tous répondre tôt ou tard. Ça viendra. Il y aura une justice. Ces morts ne seront pas morts pour rien. Donc, si dans les, dans les urnes, on trouve que un autre a gagné, qui n'est pas celui d'Alendialo, dans, dans la transparence et que nous-mêmes nous soyons convaincus devant tout le monde que oui, non, les Guinéens ont choisi un autre celui-là, je vous jure, nous serons les premiers à applaudir ces, ces derniers. Nous sommes des démocrates. Nous portons des compétitions. Mais si celui le gagne, dans les urnes et qu'on essaie encore de faire le banditisme, du passé, ça ne marchera pas. Donc, c'est eux qui auraient provoqué tout ce qui va en venir parce qu'on ne va plus jamais accepter. On l'avait dit à Alpha Condé. On ne va pas accepter que nos voix soient attribuées à toi. Vous avez fait ce jeu-là. Et c'est ce, ce qui a enlevé Alpha parce que la crise était à un niveau qu'il ne pouvait plus supporter. Au lieu de prendre l'argent pour contribuer, pour faire du bien pour le peuple, il n'achetaient acheté que des armes. Des armes pour donner à la police, pour recruter pour des milices pour massacrer, tuer des citoyens. Mais finalement, il est où La crise a atteint un niveau où tout le monde en avait marre de lui. Donc, Colonel Dumbuya doit faire beaucoup attention. Il a de bonne foi, il doit regarder son cœur et non pas ses voyous, certainement, qui vont lui l'induire un jour en erreur. Vous savez, il y a une sortie de, de l'autre. Je vais lire ce, ce passage-là, qui avait créé des tollés, dont un Tchernomone Nembo. Vous savez, il avait dit, la Guinée est une famille. Je cite, hein, ce qu'il a dit, ce n'est pas moi qui dis, mais ce qu'il a dit. Il, il s'adressait à colonel Madi Doumouya. Il dit, la Guinée est une famille. Mon colonel, malheureusement, malheureusement qu'on dise que la Guinée est une famille, les discours hainés de Touré, de Lansana Conté et d'Alpha Kone ont dangereusement fragilisé eh, sa cohésion. C'est-à-dire la cohésion de cette Guinée-là. Alors, il va au-delà. Il dit, si vous reproduisez l'arnaque de 2010, il dit bien, l'arnaque de 2010, je vous assure qu'elle va exploser en mille morceaux. Rien, ni personne ne pourra l'empêcher. On avait vu à l'époque les gens sortis par-ci. Oh, c'est net non. Non, il est venu, il veut encore aider ce loup. Ceci, cela. Quelqu'un qui dit si. Si. Vous reproduisez les erreurs du passé. Ce que Konati avait fait en 2010. En jouant par la magouille avec la complicité de certains officiers dont je revois aujourd'hui encore dans le gouvernement d'Alpha Kwande et de, 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 de colonel Doumbouya. C'est pourquoi je dis, il doit faire beaucoup attention. On est au courant de tout. Mais on le soutient, on l'observe. S'il reproduit les mêmes erreurs, peut-être en ayant un candidat, c'est que c'est lui qui aurait provoqué la crise. Parce que ce n'est pas parce qu'on l'a applaudi, il nous a libérés, à un moment donné, dans les mains d'Alpha Condé, qu'on doit aussi l'applaudir dans les erreurs. On ne le fera pas. Ça aussi, ça doit être clair. Mais nous pensons qu'il va éviter les erreurs. Car là, nous aide. Afin que Dumbuya soit l'homme qui va sauver la Guinée pour tout bon. Pour qu'on n'ait pas le plus de transition en République de Guinée. Quand Tianomonenabo a dit ça, vous avez vu, les, les gens sont sortis, c'est-à-dire les ethnos, les, les personnes mal intentionnées, ont commencé à l'attaquer. Non, il est ethno. Il est... Même les journalistes, hein, les journalistes des RPG, ont suivi des émissions de grande écoute ici, qui s'assalaient contre lui. Mais il si. dit si. Donc, quelqu'un dit si. Ça veut dire que si vous faites la même chose, mais si vous ne faites pas, vous laissez le peuple choisir son président, vous n'avez pas de problème, mon colonel Dumbuya. Et je pense que vous allez le faire. Maintenant, je vais clôturer en disant que l'IFDZ, pour tourner la page de Sucise, de, de, de nous devons sortir dans ce qu'on appelle est le complexe politico-ethnique. C'est ça est notre défaut de l'IFDZ. C'est-à-dire, le plus souvent, on dit, comme Alpha a mis dans la tête de certains que l'IFDZ est un parti peur, parce que ce que Alpha lui dit, que c'est les peurs qui soutiennent, la Et si c'est les peurs qui soutiennent, celle Avec tous ces grands scores qu'on a eu depuis 2010, tant mieux. Parce que partout où l'IFDZ n'est pas premier, c'est deuxième. Premier ou deuxième. Rarefois, vous pouvez voir l'IFDZ troisième. Donc, c'est une fierté. Mais comme ils sont dans cette discrimination ethnique, dont ils ont légué à certains qui ont continué ça jusqu'à jusqu maintenant, là, qui veulent voir l'évidence tomber, ils nous imposent, même ces loups, des fois, c'est complexe. Et là, ces loups, des fois, c'est complexe ethnico-politique. Qu'est-ce que je veux dire Par exemple, quand il y a des gens qui viennent, il y a un sous-sous. Un malinqué ou un forestier, un peu bon, on va essayer de voir un malinqué ou bien un sous-sous ou un, comment on appelle ça, un forestier. Parce que quand on met le peul, ils vont dire que c'est lui, il a mis son parent, il est saisi, c'est là. On doit sortir dans ce complexe-là. Celui qui est capable, on le met. Si c'est le peuple, il faut le mettre. S'il y a 10 peuls qui sont capables, mettez-les. Les gens vont parler, c'est qu'ils vont dire, l'essentiel, c'est le résultat qu'ils vont produire. Si ce n'est que des soussous, mettez-les. Si ce n'est que des forestiers, mettez-les. Mais on doit sortir dans ce complexe. Le malinqué, c'est là où j'ai apprécié le malinqué. Parce que le malinqué n'a jamais eu le complexe ethnique. Je connais bien ces gens-là. Le malinqué, complexe ethnique. Ils s'en fout de ça. Mais seulement le problème, des fois ils peuvent mettre des gens qui ne sont pas à la hauteur. C'est là le problème. Sinon, le malinqué, un malinqué, il le préfère mille fois qu'une autre communauté. Vous avez vu Alpha Condé comment il a fait ses nominations Il ne se gênait même pas. Il ne se pas. Moi, je n'ai pas vu de mal en ça. Mais le mal, c'est du fait que la majorité que lui, là, soit, c'était des médiocres, des moribonds qui ont détruit les valeurs de la, de, de la République. Mais si c'était des hommes compétents, il n'y a pas de problème. Hein? Donc, sortons dans ce complexe ethnico-politique. Moi, je m'en fous de ça. Parce que non, 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 s'il n'y a pas un sous-sous entre nous. Si... Mais on ne pose personne à venir. On va vers les gens, on les parle. Tous les Guinéens, qui soient peu mal, qu sont pour... Celui qui se retrouve là-dedans, il n'a qu'à venir. Celui qui ne se retrouve pas, il n'a qu'à rester dans son coin. Il n'y a pas de problème, c'est la politique, ça. Mais on doit éviter ces horreurs-là. Le complexe ethnico-politique, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Moi, je ne veux pas regarder. Parce que non, il y a quatre régions naturelles. Et des fois, certains. Un... Fond, ils, ils, ils sont orgueilleux pour dire que non. Maintenant, si moi, comme je suis malinqué, si vous ne me mettez pas, ils vont dire que votre parti, ce n'est que des peuples. Donc, vous devez me donner des opportunités. Vous devez me faire ceci, cela. Il n'y a aucun sens. L'essentiel, que les personnes que vous mettez, qui soient des personnes compétentes. D'acède, c'est tout. Maintenant, les gens vont crier jusqu'à jusqu demain. Ce n'est pas notre problème. L'essentiel est que ceux qui seront à la tâche, qu'ils puissent faire quelque chose et non pas pour un clan, mais pour toute la République, ou pour le parti en général. Alors, j'ai parlé des passeports ici, chers compatriotes. En deux mots, aujourd'hui, on nous dit que les passeports, ils ont acheminé tout récemment, je vous ai dit au début, euh, notre frère euh, Rosé, Robert Théa d'ailleurs, le samouraï, on a eu une initiative pour... Lancer l'alerte parce que les compatriotes souffrent à l'étranger ici à cause de ces passeports-là. Beaucoup même. Par exemple, à New York ici, il y a des milliers de passeports qui sont au consulat ici. Les gens sont allés faire leurs passeports. Beaucoup ne savent pas que les passeports sont là. Mais il y a un manque de communication encore. Les gens qui sont au niveau du consulat ou à l'ambassade, et ça c'est un peu partout, les gens ils ne communiquent pas, ils ne travaillent pas presque. Il se bouge, c'est vrai, il, il peut consulter les responsables au plus haut niveau. Mais quand quelqu'un vient pour demander, pour, pour, pour demander du pour, pour à dire pour chercher son passeport, je crois toujours qu'il est soit un email ou un message et un numéro de téléphone ou une adresse, hein, une boîte mail. Si les passeports viennent, qu ce qui qu doivent être de votre rôle, parce que vous êtes payé pour ça, c'est de. Communiquer automatiquement. Vous avez le passeport, vous voyez mon nom. Vous avez une fiche hein, où il y a toutes mes coordonnées. Vous avez mon numéro. Vous pouvez me texter, même si c'est 5000 passeports. Vous êtes payé pour ça, vous devez faire correctement votre travail. Vous pouvez dire aux gens viens, chez ton passeport. Ou bien, on est dans des pays développés. Vous pouvez mêler ça, mettre ça dans la boîte ils vont envoyer jusqu'à la maison de la personne. Parce que ici, quand il va pour une carte d'identité, c'est comme ça que ça se passe. Quand tu vas sur un papier, c'est comme ça que ça se passe. On t'envoie. Toi, tu vas, tu fais tout et ils t'envoient à la maison. Pourquoi on ne peut pas s'inspirer de ça et dire qu'on n'a pas de moyens Ça veut dire quoi, ça Il faut qu'on se respecte. Il y a beaucoup de Guinéens qui sont bloqués à l'étranger à cause de ces passeports. Ça ne va pas. Vous devez revoir cette situation. Donc, ils ont... C'était... Voilà, le 22 novembre. Je crois que c'était hier, hein donc, ils sont, ils sont sur la situation d'acheminement euh, des passeports biométriques dans quelques pays. Et ces pays, on parle du Maroc, où il aura. Euh, voilà, on parle de 709 passeports, passeports imprimés, on parle de 475. Donc, passeports expédiés, c'est qui Ils ont envoyé. C'est 14 Donc, c'est comme ça. Il y a beaucoup de pays. Il y a Angola, il y a la France, il y a la Chine, il y a la Russie, il y a les États-Unis, il y a Arabie Saoudite, il y a Riyadh, il y a Malaisie, il y a Espagne, il y a Égypte, il y a Allemagne, il y a Afrique du Sud, il y a Arabie Saoudite, Gheddafi, il y a Belgique et il y a l'Italie. Voici les pays qui sont actuellement. Comment on appelle ça En validation. C'est-à-dire les pays qui vont recevoir les passeports. Ça, c'est le 22. Ils ont essayé de faire ça. Donc, il y a de ces pays, il y a de, il y a de ces pays où on parle des de passeports en attente. Bon, il y en a beaucoup. Voici ici, c'est le, yeah, le ministre des Affaires étrangères qui a fait ça. Vous voyez bien. Donc, il doit vraiment aider. Les compatriotes de l'étranger afin de récupérer leur passeport. Et aussi les gens qui sont dans des ambassades, dans les consulats, vous devez considérer vos compatriotes. Parce que des fois, même quand tu viens, tu les salues, ils font comme si c'est eux qui te nourrissent. Ils oublient que c'est nous qui les nourrissons là où ils sont. Parce que c'est l'argent du contribuable qu'on prend pour les payer. Tu viens, tu trouves quelqu'un qui travaille dans un consulat hein, ou dans une ambassade. Tu viens avec respectueusement. Bonjour monsieur ou bonjour madame. Oui, bonjour. Des fois, on dit, oui, tu veux quoi Tu les demandes, leur façon de te répondre même. Regardez, c'est si les blancs. Quand tu viens, tu les trouves, tu les salues bien. Ils te, ils te répondent très bien. Bonjour, monsieur. Bonjour, ça va Vous allez bien Oui. Pour, nous pouvons vous aider Qu'est-ce que vous voulez, monsieur Dans le plus grand respect, tu as même la joie du cœur. Même si maintenant, on ne peut pas te satisfaire, mais tu es content. Hein? C'est comme ça. C'est les anglophones, c'est la même chose. Hey, how are you? Everything is good? You, do you need the help? Ils sont contents. En fait, c'est magnifique, quoi. Mais nous, ici, si tu viens, ils te lancent. Hein? Ils te lancent des mots de Tokunu. Bonjour. Ou bien on te lance hein? les mots de Dalaba là-bas. Bonjour. Ou les mots de Zerekure. Bonjour. Hein? Ou les mots de Kindia. Bonjour. Avec un ton qu'on ne peut même pas respecter, qu'on ne peut même pas comprendre. À appeler, à, à, à apprenez à respecter de vos compatriotes. C'est pourquoi souvent les gens sont excités. Les gens sont allés, par exemple, au consulat de New York pour demander Ah, les passeports, on n'a pas reçu nos passeports. Ça doit venir quand On dit On ne sait pas. On dit Ah, monsieur, vous ne savez pas, vous êtes là. Non, j'ai dit On ne sait pas. Ah, ça vient de Conakry. Qu'est-ce que tu veux que je te dise Parlez avec respect. C'est vraiment important. Dites Ah, monsieur, en vérité, on ne sait pas. Patientez, lorsque ça sera, vous serez informé, pour le moment c'est au niveau de Conakry. Quand tout sera normal, on va vous appeler. Ok La personne peut quitter là-bas. Vraiment content. Mais ah, ça vient que. Quand... Ah, ou non, c'est à Conakry, c'est à Conakry, c'est à Conakry qu'ils aient. Avec ça encore des fois, ils sont là-bas en train de jouer ou en train de parler entre eux. Tu les parles, ils sont en train de. Non, c'est du n'importe quoi. Il faut que tout cela change. Ça doit changer. On a beaucoup de choses à faire. Hein, parce qu'ils ont pris des militants avec, les mettre partout. Ils vont essayer de saboter la transition. Si le voulez, Dumbuya et les autres ministres ne font pas attention. Et nous, le peuple, on doit être vigilant. Sur ce, je vous remercie. J'ai pris assez de vos temps. One Love. Partagez au maximum possible, mes chers compatriotes. Boadé Tchopel, merci. Saudatou, euh, merci. Vous êtes nombreux. Euh, Comme on appelle euh, Sam, So et tous les autres. Pourquoi la Côte d'Ivoire n'est pas citée? Oh mon frère Sam, la yeah, Côte d'Ivoire n'est pas citée parce que dans cette liste-là, je n'ai pas vu la Côte d'Ivoire. Donc, c'est les pays que tu entends ici, ce sont ces pays qui sont là. Tu peux les voir. Voilà, je suis vraiment désolé. C'est pas pourquoi. C'est pourquoi les, les ambassades doivent communiquer. C'est extrêmement important. Sur ce, je remercie tout le monde. Thank you, thank you, um, Siré Diallo. Partagez au maximum. Je vous ai dit, c'est ma nouvelle page. Tidian la force, mais Tidian la puissance reste toujours là. Faisons la promotion de cette page tout en vous abonnant, mes amours. Je vous aime tous, je vous love. Kala sauve la Guinée afin que nous voyons notre pays aussi sur la droite ligne. Parce que sur cela pourra nous aider. Merci beaucoup et à bientôt pour une nouvelle vidéo.